frères et sœurs et amis dans le Seigneur, la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Frères et sœurs et amis, nous invités au matin pour nous adorer le Seigneur ensemble. C'est un privilège matin pour nous accueillir dans le sanctuaire, nous, qui est situé dans 11 East Street Spring Valley, New York. Nous souhaitons d'ores et déjà une bonne adoration dans le Seigneur. La paix, bon Dieu, avec nous. Comme un monde qui compte un matin dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louer. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louer. Je chante louange à ton nom. Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louer. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom. Car ton nom est grand et digne de louer. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh, m'a chanté louange pour vous. Seigneur, chanté louange pour vous. Seigneur, parce que non, c'est non ou grand et
Nous ne sommes plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nom magnifique de la terre, c'est pour nom béni, c'est pour toute langue, c'est pour tout genou, baisser devant ou confesser ou Seigneur, à la gloire de Dieu. Seigneur, nous avons merci matin pour grande occasion ça que nous avons nous, pour nous capables dans le sanctuaire ça, Seigneur, côté nous venir offrir ou un culte, côté nous venir présenter devant cher Seigneur, louange avec adoration, nous. Père, ou même qui pardonnez tout péché et toute iniquité. Ces paroles qui déclarent nous, sous tes gardes souvenirs, iniquité avec péché. Qui est-ce qui est capable de vivre devant? Nous assurer matin, ô Dieu, grâce à son Jésus-Christ, péché nous yon effacé. Et nous gagnons libre accès maintenant auprès du trône de la grâce. Seigneur, mais nous venons offrir où culte ce matin. Accueillis-les, cher Seigneur, favorablement. Même gens te recevoir offrande que Abel t'a offrir au Seigneur. C'est comme ça nous porter devant, cher Seigneur, requête nous, louange nous, oui, lève-nous qui a confessé non. Père, permette maintenant, peuple capable, dans de bonnes dispositions, de cœur et d'esprit, pour adorer ou et faire monter devant ou louange avec adoration, ou même seul digne et mérité. Seigneur, permette tout ça qui va faire maintenant, capable de faire pour la gloire de ton nom et sous la dictée de ton bon Saint-Esprit. Et nous conduis nous, ô notre Dieu. Assistez-nous dans toute démarche, nous, dans tout ça que nous allons entreprendre matin pour gloire non. Visitez peu pour cher Seigneur, si là qui est là, dans le sanctuaire là avec nous, tant que si là qui absuive, ô Dieu, de loin. Nous demandons, papa, visitez-vous, jetez sur vous-même un regard favorable au Père et accueillez. Prière yo, ô Dieu, et exaucez yo. Car Seigneur, c'est vous-même seul qui exaucez, prière nous yo, demande nous yo, Seigneur. Pas mettez dehors si là yo qui vini à vous-même. C'est avec un cœur sincère que nous approchons bon côté au cher Seigneur. Avec un homme nous lavé dans son l'agneau que nous approchons, ô notre Dieu. Père, et versez abondamment sous peuple matin. Riche bénédiction que vous-même vous réservez pour petit. Oui, papa, le moment ça capable pour nous-mêmes, un moment de réjouissance, et pour vous-même, cher Seigneur, recevoir gloire avec honneur dans mes petits, dans mes serviteurs, qui là, qui remet au même genre, ou même ou remet nous de l'amour infini. Cher Seigneur, nous voulons manifester amour nous envers vous-même dans le moment ça. Avec nous ainsi, pour que non, ô Dieu, par les mérites et par les compassions de ton Fils Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur bien-aimé, règne dans tous les siècles des siècles. Longtemps moins tiré dans l'orgueil,
battre contre Seigneur t'es crucifié. Pas connaissé pour moi sans couler sous bois calvaire. Toute grâce mon Dieu c'est pour grève Messie. Jésus t'es pour moi tout le pardon lit. Moi qui t'es troublé joint la vie. Calme, parole, mon Dieu, t'es montré péché. Lève-moi, ouais, la loi, moi t'es tremblé. Jour qu'un homme ne va point t'es vivé. On nous campe pour adorer Seigneur matin. On nous campe, on exalte. Toute grâce, bon Dieu, c'est pour grâce, c'est Messie. Jésus, t'es pour moi tout pardonné. Pardonné, moi qui t'ai tout fait joindre ma vie. Sous toi, calme, cougné à cougné à moi, mon Christ, tout pardonné. Cougné à Alléluia, tout grâce mon Dieu c'est pour grâce Messie. Jésus t'es pour moi tout pardonné. Non, moi qui t'ai tout rejoint la vie. Sous toi. Toute grâce, mon Dieu, c'est pour grâce, Jésus, t'es pour moi tout pardonné. Non, moi qui t'ai tout rejoint la vie. Sous bois, calme. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Souquemé au devant Seigneur matin. Exaltez nom qui méritait toute gloire, toute louange. Pas la velle matin. Pas la velle dans le cœur matin. Sous qu'on cause, vous voulez raconter papa ou. Pas la velle dans le moment ça. Pas la velle Seigneur. Pas la velle dans le cœur. Pas la velle. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Jésus, moi t'es pour être tout. Pour me suivre au jour de la fin. Mette-moi et amis-moi. Moi pas fait ça qu'à priver. Les roues étaient tout près. Moi pas fait sentir le bon trop près. Moi, Jésus, était tout près. Bien des
Jésus ou Kassou, Ove, prête, puis frère, toujours. Qui t'aime dans les palais, bien clairement pour capable, connaît que c'est la voix. Amen. Malgré toutefois péché, parlez pour pas plus confiance, on fait tout ça où est. Allez, fais c'est où qui t'a dit moi. Où Jésus, où tes promesses, nous cassons, côté royal. Jésus, moi, tes promesses pour vivre tout le temps. Oh, pas-moi grâce ou remplis, mette-moi et s'envie-moi. Quittez-moi toute la souille pour mettre tes pieds là-dedans. Tout espoir, moi. Jésus, où t'es pour, on met tout le monde au cap sur vous. Côté royer, c'est là. Et Jésus, moi, t'es pour. Et puis pour moi dans ciel là. Oh et puis pour moi dans ciel là. Mets-moi. Oh et puis pour moi dans ciel là. Mets-moi. Dis ça matin, sous quoi elle dit ça matin. Pour côté bon Dieu son avant, dis ça. Il fait pour moi. Mon Dieu n'a fait. Au peuple qu'à comprendre moi. Parce que au pas en place moi. Yes. Jésus sorti loin avec. Dis ça plus fort. Pour vivre là. Témoignage moi en pile. Souffrance yo pas pitié.
espoir d'assemblé fini, 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 oui, bon Dieu fier. Oui, il fait, bon Dieu. Bien bas, bien bas, bien bas. Oui, il fait, bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi, bon Dieu. Non, pape qu'à comprendre moi, parce que pas la place. Bon Dieu sorti loin avec pour m'arriver là. Témoignage yo en pile, souffrance yo pas pitié. Espoir t'es semblé fini, 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 oui bon Dieu fait. Dernier fois, on dit. Oui, il fait, yes. Bon Dieu, bon Dieu. Il fait pour moi, bon Dieu, non, fait. Il fait, oui, il fait. Bon Dieu, oui, il fait pour moi, bon Dieu, non, fait. On nous prie le Seigneur, ma mère. Bon Dieu, nous, c'est un bon Dieu qui compte faire. Ça l'y fait pour nous. Et pendant la prière, pas oublier intercéder pour notre bien-aimée sœur Marie Siméon qui est dans l'hôpital. Nous connaissons bon Dieu qui compte faire là, il est capable de faire pour lui. Quel que soit côté où il est, côté où il regarde nous pendant un temps plein, à nous tout à nous lever voix nous comme un seul monde. À nous prier, à nous dire bon Dieu merci et intercéder pour l'autre Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tendre Père Céleste, Papa nous en Jésus-Christ, nous infiniment reconnaissants envers ma terre, pour grâce, miséricorde, amour, compassion envers nous. Seigneur, nous te remercions du fait que nous sommes bon Dieu qui est fidèle. Nous sommes bon Dieu qui est fidèle, même en dépit de l'infidélité nous. Nous sommes un bon Dieu qui n'a pas gardé à l'infidélité nous pour être fidèle. Parce que Seigneur, la fidélité, c'est ton nom. Maintenant, Seigneur, nous avons exalté, nous avons salmodié, nous avons merci pour la vie, merci pour le mouvement, merci pour la respiration, merci pour l'être. Seigneur, nous nous remercions pour la vie éternelle, ou bien nous en Jésus-Christ. Seigneur, nous nous remercions du fait que un jour, où tu es tiré nous dans le boubier péché côté que nous t'ayons, ou réconcilier nous avec vous, et aujourd'hui, ou faire de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Seigneur, nous nous remercions matin du fait que vous faites nous des mouns qui ont espérance ciel. Nous nous remercions matin, Seigneur. Puisque ou fait pour nous encore. Seigneur, matin, nous avons exalté, nous avons merci pour le privilège nous gagnons, pour nous capables de réunir encore dans ce temps
pour nous faire monter vers vous-même. Honneur, gloire, louange que vous-même seul méritez. Seigneur, là, nous avons gardé dans un petit temps qui n'est pas tellement loin de nous-mêmes. Il y a un pile de monde qui allait. Il y a un pile de monde qui passait. Il y a un pile de monde, Seigneur, qui est enterré. Mais dans grâce, dans miséricorde, nous-mêmes, nous encore bien vivants. Seigneur, ce n'est pas bon, nous t'es bon, mais c'est grâce, c'est miséricorde. Dans miséricorde, matin, Seigneur, nous avons prié. Prends place parmi nous-mêmes, matin. Seigneur, gagnez parmi nous-mêmes, monde qui est malade. Gagnez parmi nous-mêmes, monde qui souffre. Gagnez parmi nous-mêmes, monde qui est dans la peine. Et Seigneur, gagnez parmi nous-mêmes, si là, qui est encore la caille. Qui, Seigneur, gagne anxiété. Qui peut venir parmi nous-mêmes pour adorer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou même qui c'est un bon Dieu de paix, allez bayo la paix. Permettre que même, vous comprenez que même bon Dieu qui protège, quel que soit côté, il est capable de protéger encore aujourd'hui. Seigneur, matin, nous devons, nous prions pour nos malades. Nous avons levé spécialement devant notre bien-aimée sœur Marie Siméon, qui est à l'hôpital. Dans grâce, dans miséricorde, Seigneur, allez toucher servante ça. Puisque c'est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Seigneur, lorsque docteur yo dit, yo pa wè solution. Lorsque docteur yo dit, yo pa wè qui ça pour yo faire encore. Seigneur, ou même ou commencer. Seigneur, touche li, car c'est bon Dieu impossible. Là. Seigneur, nous a prié au matin pour ti moun nou yo qui vient pour retourner à l'école dans une époque de pandémie comme époque ça. Seigneur, nous connaît. Lorsque problème yo pi difficile, grâce ou vin pi plus. Seigneur, couvri ti moun nou yo, couvri sa si la ou ki nan collège, couvri si la ou ki nan school, couvri professeur yo, couvri Seigneur chauffeur boss yo, couvri tout moun Seigneur qui pral participer nan ouverture l'école là, permettre que yon ba grâce ou yo même encore Seigneur, yo capable rete bien vivant et en retour yo va bon gloire, honneur que ou même seul mérité. Dans grâce ou dans miséricorde du matin, Seigneur, nous avons prié pour tout si là, yo, matin qui, un peu partout dans le monde, les missionnaires, si là, qui quitte famille, qui quitte tout ça que vous possédez pour y aller suivre vous. Seigneur, gagne parmi vous même matin qui malade, gagne parmi vous même Seigneur qui en face avec la justice. Seigneur, ou même qui t'est fait pour Pierre, ou même qui t'est fait pour Paul, dans grâce ou matin, hein, allez toucher ou, réconforter ou, permettre que vous connaissez avec vous. Dans miséricorde, Seigneur, nous avons levé devant le pays d'Haïti matin. Un pays qui est en face de toutes sortes de difficultés. Seigneur, ou même qui c'est bon Dieu. Nous levons le pays, ça en main. Solution pays, il n'y a pas dans le monde. Solution pays, il n'y a pas dans le gouvernement. Mais ou même, Seigneur, nous connaissons l'heure arrivée. Ou a dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous avons prié au matin pour le pays côté de vivant qui c'est pays États-Unis. Seigneur, on dit dans la parole, bonheur nous dépend de bonheur, pays côté de vivre là. Seigneur, nous demandons, ou sommes capables d'aller, par les gens qui a gouverné le pays, ça, assez d'intelligence, assez de sagesse pour mener le pays ça, à bon port. Seigneur, nous avons une année, côté que par l'élection dans le pays, là. Pas permettre que, Seigneur, c'est les gens qui choisissent. Car, Seigneur, si nous-mêmes nous choisissons, nous sommes capables de choisir mal. Mais Seigneur, ou même qui gagne le futur dans plein main, choisis le monde qui vous dirige le pays. Matin, Dieu de miséricorde, mais chaque servant ou chaque serviteur qui est dans l'église là, nous demandons capable de bénir au Seigneur. Seigneur, gagne en pile dans qui vient avec tête chargée, gagne en pile avec qui vient avec difficulté, gagne en pile dans qui gagne la peine. Mais Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus, consolez-vous. Nous prions au matin, Seigneur, pas en vertu de mérite que nous gagnons, mais nous prions dans le nom et dans le mérite de Jésus-Christ petit tout, lui-même qui vive et qui a régné au siècle des siècles. Amen. On nous dit béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Pendant nous camper, nous allons faire lecture de la parole de Dieu, que nous joignons d'abord dans 1 Pierre, chapitre 1er, nous appelons verset 3 avec verset 4 là, et après ça, nous allons aller dans 2 Corinthiens,
chapitre 6, côté que nous prenons lire seulement le verset 21, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Nous allons commencer d'abord avec 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 avec verset 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous avons pris le deuxième texte qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, qui dit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous aurons été debout toujours pendant que nous parlons un frère à Lino qui va continuer avec la lecture en anglais. Our scripture comes from 2 Peter, 2 Peter chapter 1, verses 3 and 4, and then we will jump to 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Seeing that his divine power hath granted unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him who that call us by his own glory and virtue, whereby he hath granted unto us his precious and exceeding great promises, that through these ye may become partakers of a divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Now 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Him who knew no sin, he made to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in him. On va retourner ensemble le numéro 54 français. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son sang pur et papa li et invite disciples yo à partager ensemble avec lui ça nous rele le repas du Seigneur. Il m'a invité ou même qui voulait participer matin en sainte cène capable mettre debout côté hier afin que ensemble
capable de célébrer le repas du Seigneur. Marc, chapitre 14, verset 17. Le soir étant venu, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12, qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Prions le Seigneur. Tendre Père, au nom de Jésus-Christ, mais nos vinicotos mater. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Seigneur, nous lis matin dans 2 Corinthiens. Combien qu'on fait nous et qu'on accomplit pour nous-mêmes déjà ce qui est nécessaire pour notre salut. Ainsi nous rendons honneur et gloire et louange pour tes bienfaits, Seigneur. Pourtant, nous sommes encore dans ce corps, faible, impuissant, incapable, limité. C'est peut-être ça nous appuyer sur le même matin. Et nous, Dieu, pardonne nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne les hommes, pardonne les femmes, pardonne les jeunes, pardonne les enfants. Accorde la grâce, pardon. Père, nous reconnaître que nous péchons. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. T'en supplions, Seigneur. Pardonne-nous tous. Et que dans la réconciliation, nous sommes capables de trouver la communion avec Dieu, la vie éternelle et la joie, la paix de Dieu. Pardonne-nous ainsi, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous t'évoquons sur les éléments que nous allons prendre, participant à la table du Seigneur. Daigne béni, Seigneur, ces éléments. Que ce pain, symbole de ton corps meurtri, soit pour nous tous une bénédiction. Que ce vin, l'image de ton sang versé, soit pour nous tous la vie. La vie. Bénis-nous. À l'église, partout dans ce pays, dans le monde entier, dans l'espère au nom de Dieu.
des éléments. Ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché, là Jésus me retient attaché à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, là Jésus me retient attaché à partie qui fait seulement plastique visible et puis la conduit à pain. Après quoi ou à monter deuxième partie qui a conduit à du pain. Sur la caillou ou capable prendre du avec n'importe pain qu'on gagne et si vous pas un jour capable prendre l'eau vous capable participer ensemble avec. Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit
et dit, ceci est mon corps qui est rompu. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 26. Toutes les fois que vous mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En obéissance à la parole du Seigneur, mes bien-aimés, mangeons ensemble le pain du Seigneur. Non capable. Deuxième plastique là. Aluminium. Et à 20. Le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous buvez cette coupe, verset 26, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En obéissance à la parole du Seigneur, sans que Jésus t'ait versé au moins sous bois calvaire sans ça qui bat moins force. Jour après jour, li pap jan perdu puissance li, li monte berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Thank you.
saluer d'une façon spéciale tout invité nous, tout monde qui t'a suivre service là sur YouTube ou bien sur le Zoom là. Nous voulons remercier et nous voulons mettre au courant activité l'église d'abord la semaine. Et chaque dimanche matin, nous gagnons un premier service qui fait en anglais. C'est de 9h20 jusqu'à 11h40, jusqu'à 10h40. Et deuxième service en français et en créole, qui commence à partir de 11h et finit à 12h30. Dans l'après-midi, ou bien dans la soirée, nous gagnons service sur l'ex-Zoom. Pour tout le monde qui est habitué à participer, qui commence à partir de 7h du soir. Dans mercredi, nous gagnons études bibliques avec Pasteur Latouche, c'est lui-même qui chairman l'église, le pasteur titulaire. Et nous avons étude avec lui dans mercredi. Tandis que dans jeudi, il y a rencontre avec les hommes. Dans vendredi, il y a service avec les enfants et les jeunes. Et tout ça, c'est toujours sous l'ex Zoom et sous direction sur Mélissa et la sœur Angeline. Dans vendredi, dans samedi, nous avons rencontre encore avec les hommes de l'église. Nous souhaitons, frères et sœurs et amis de partout, ou même qui dans la communauté qui attendent nous, bien qui à travers le monde, qui a suivi le service, nous souhaitons une bonne journée dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse et accorde vous plus riche bénédiction que les réserves pour petit Dieu. La paix du Seigneur soit avec vous. Lecture pour vous-même de texte que nous voulons considérer avec vous matin. Freddy read the scripture reading that we want to consider with you this morning. Nous en train de parler des agents de la transformation. We are about to speak of the agents of transformation. Nous connaissons que la vie chrétienne, c'est une question de changement et de transformation. We know that the Christian life for the believer, it's all about changing, it's all about transformation. Et nous t'ai parlé à vous-même quelques deux semaines de cela, que une nécessité, c'est que ne pas arrêter même mouna encore. We touched with you previously. That one of the urgent need in the Christian life, one of the urgent requirement, it is that we no longer remain the same person that we were before Christ. Moun nou te a, nou pas ça encore, les nous avec le Seigneur Jésus-Christ. The person we were before Christ, we are no longer that person. Mais nous aussi disons que travail ça, c'est pas travail un homme, mais c'est travail mon Dieu. Reminded you that this particular work of grace, it is not the work of a man, it is indeed the work of God. C'est le Seigneur qui fait travailler ça dans nous-mêmes. It is God who makes this possible in us. De Corinthiens 5, 17. 2 Corinthians 5, 17. J'ai été crucifié avec Christ. I have been crucified with Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. And if I live, the life I live, currently, it is not mine, but it is Christ that c'est Christ lives. Qui vit en moi. It is Christ that lives in me. Donc c'est le Seigneur qui accomplit travail ça dans nous-mêmes et dans moi-même. So therefore, it is the work of God. He makes it possible in you as well as in me. Mais responsabilité pas avec responsabilité pas, c'est tout et pour nous mettre tête nous disponible pour bon Dieu capable faire travail ça dans nous-mêmes. And our responsibility. Our responsibility, yours and mine, it is for us to make ourselves available unto the Lord so that this work of grace can take place. Et là, nous joignons les agents de la transformation. And this is where we become agents of transformation. This is where we find... This is where we find agents of transformation. Les agents de la transformation, nous rencontrons là qu'on y est. The agents of transformation, we're about to... Et pour nous capables de changer, pour nous capables de transformer, bon Dieu a des moyens que le métier pour le faire travailler ça dans nous-mêmes. In order for this to happen in us, God has certain means
in which he makes that possible in us. Et nous trouvons que le premier point que nous avons avec vous, à travers la prière, bon Dieu a changé où et l'a changé moins. We discussed previously, through prayer, God will change you and he will change me. Car dans la prière, nous mettons-nous à la disposition du Seigneur. Because through prayer, we make ourselves available to God. Nous dit Seigneur, fais volonté ou non moi-même. We say to God, do your will in my life. Pour nous capables de transformer l'nécessaire dans la prière que nous trouvons-nous dans la présence de Dieu. In order for us to be transformed, it is imperative that we are people that are praying. We have to be constantly in the presence of God. Ou camper devant mon Dieu. You stand before him. Ou passer temps avec mon Dieu. You spend time with him. Et pendant devant le Seigneur, l'a transformé ou l'a changé. And as you spend time with him, the process of transformation. Et nous t'ai dit, c'est sacrifié Moïse. And we said to you, this is what happened to Moses. Il était dans la présence de Dieu dans la montagne. Moses was in the presence of God. Et dans la présence de Dieu, Moïse t'a changé, mes chers amis. And as he stayed in the presence of God, transformation started. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Gloire à Dieu. Donc, deuxième bagage, nous t'ai ensemble avec vous. The second thing that we saw with c'est pas seulement pour la prière le Seigneur. It is not just simply to be praying. Mais nous aussi besoin pénétrer par la parole de Dieu. But we need to be penetrated by the word of God. Le deuxième agent de la transformation du croyant, c'est la parole de Dieu. This is the second agent that's involved in the transformation of the believer. Le Seigneur servit avec parole pour le capable changer nous. The Lord uses his word to change us. Jésus-Christ dit disciple en Jean 15 verset 3. Jesus said to his disciples in James 4 verse 15. John 15 verset 3. John 15 verse 3. Mm-hmm. Jean 15 verset 3. In John 15 verse 3. Déjà vous êtes purs. You are already pure because of the word which is in you. Jésus dit disciple, pas vrai? Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Christ said to his disciples, you are already clean because of the word I have spoken to you. Et dans Jean 17, verset 7, and John 17, il dit sanctifiez-vous par parole. He said, sanctify them through the word. Parce que parole ou c'est la vérité. Because your word is true. Donc mes chers amis, my brothers and sisters, le Seigneur a fait travail ça dans nous-mêmes. The Lord is working this in us. À travers sa parole. Through his word. Nous besoin exposer nous à la parole de Dieu, t'ai dit. We need to expose ourselves to the word of God. Parcourir loin parole là. Don't go far away from it. Mais prochez plus près parole là. But rather draw near to the word. Get Lili. Yourself in the word. Lili. Read it. Étudiez-li. Study it. Méditez-li. Meditate on it. Amen. Amen. So, non seulement nous exposer nous à parole là. Not only we will be exposed to the word. Mais qu'on y a n'attendé parole là. But now we will hear, we will listen to it. La Bible pas voulait entendre et puis pour ne pas appliquer. The Bible urges us not to be just hearers, non but seulement also exposer nous à parole là. Not only will we make ourselves available to the word. N'attendez parole là. We not only are we listening to it, mais n'obéir parole là. But we are also obeying it. We're going to be doers of the word. C'est à travers parole ça. It is through the word que mon Dieu a changé pensée moi. That God will begin to change my way of thinking. Que mon Dieu a commencé changer pensée où. And he will do it for you as well. Jean 5 verset 24 dit nous. And John 5 verse 24. Celui qui entend ma parole. Anyone who hears my word, et qui croit en celui qui m'a envoyé believe in the one that has sent à la vie éternelle. Will have eternal life. Il ne suffit pas d'entendre la parole, so it's not enough to just
hear it or to listen to il faut obéir, se soumettre à la parole de Dieu. But we need to be doers, we need to obey, we need to submit ourselves to it. La Bible mettez-nous en garde. The Bible warns us. Dans Jean 7, verset 24. In John 5, verse John 7, verse 24. John 7, verse 24. Il n'est pas tout monde qui tend des paroles là. Because anyone who hears the word et li mette li en pratique. And applies it. Li tankou yon nom sage ki bati kay li sou wash. Will be like a wise person building their house on the rock. Nou kwa nou tout ki la tare men si nap baton kay, nou pa bati li a te. I think all of us here, if we're building our house, don't want to build it on the sand. Nta passe avec madame mwen sou kote nan kwen pas derrière rue côté juif yo commencé là sur coin 59 hein? As I was driving this morning to church as I was passing by the neighborhood where the Jewish community is building moi voyais occasion un petit caï qui était là I saw that a house a particular house was torn down et puis me pas côté caï là té and after all the excavation and removal, it was impossible for me to really see where that house used to be. Mwen di madame mwen, ou pa ka menm mwen kote kay la te, son ba yo gratte terre ou metil. And I said to my wife, it's hard to even believe that there was a house there. It seems that they took it and deposited there. Et puis, li pose m question concernant Haiti. And she asked me a question about Haiti. Les m'a dit en Haïti c'est pas comme ça bagaille oui. And I said to her we don't build houses like that in Haiti. Parce que nous fouillons terre. Because we go down. Nous mettez fondation in the hole and we put the foundation way beneath. Nous mettez pot-au-feu. And we put the pillars. Après ça nous bâtis caille là sur lui-même. And then after that after laying down the foundation then we start building. Léon moun kembe parole bon Dieu a, c'est un comme moun qui fondé, fait fondation kayla et mette fait pour capable kembe kayla. When a person hears the word and applies the word of God into their lives, it is similar. Donc deuxième bagaille m'vlo pran au sérieux matin. The second thing I want you to take away with et comme t'es dou déjà, that I told you earlier, c'est qu'on besoin parole là. It is that you need the word. Lis Bibou. You need to read your Bible. Tendez message. Listen to sermons. Obéis ce que tendez là. And obey what you have fais heard. Fais ça, bon Dieu, mon Dieu, pour faire. And do what God has asked you et to pour do. Et pour bénir pour la gloire de Dieu. And I guarantee you, you're gonna be blessed for the glory of God. Amen. Amen. I'm not kidding you. This is serious. If you take God at His word, you will be blessed. Troisième agent pour capable faire travail en nous-mêmes. The third agent that will make transformation possible. C'est le Saint-Esprit de Dieu. It is the Holy Spirit of God. A fait bon Dieu pas fait sans l'Esprit bon Dieu. The work of God cannot take place without the Holy Spirit. Dieu fait travail dans nous-mêmes et dans moi-même à travers son Saint-Esprit. God does his work of grace in us through amen, the amis. Holy Spirit. Amen. Amen. Parce que premièrement, ça me dit donc quoi? C'est qui soit de fait? La prière. Premier bagage ça pour faire? Faut la prière. Qui deuxième non? Parole là, OK? Pour entendre parole là, lire parole là. Qui troisième non? C'est le Saint-Esprit de Dieu au besoin. Amen. Remember what we said earlier. We said the first is prayer, the second is the word, and the third, it is the Holy Spirit. That's what you need. C'est cet esprit qui va nos convictions. It is the Holy Spirit that convicts de péché, de justice et de jugement. It convicts us about sin, about justice and judgment. C'est cet esprit qui parle dans le cœur. It is the Holy Spirit that speaks qui font sans doute pas droite leur fond bagaille qui pas droite. It is the Holy Spirit that convicts you when you have done wrong. Et c'est comme ça nous demandons repentance. And this is how we come into repentance. Psalm 51. Psalm 51. David demandait pardon parce que conscience est touchée.
And Psalm 51, we see that David was very remorseful. And he Saint asked Esprit God to forgive avec him. Lui. The Holy Spirit spoke with him. Ou l'ensemble avec moi. Amen. Ou by place à bon Dieu pour opérer dans vous-même. You allow God room to operate. Par le Saint-Esprit, bon Dieu, à travailler dans vous-même. You allow the Holy Spirit to work in you. Ou l'ensemble avec moi. Are you with me? Et comme ça, Saint-Esprit, bon Dieu, à transformer, l'a changer pour capable finir selon image, bon Dieu, et d'après ressemblance, bon Dieu. This is how the Holy Spirit begins to I was not aware that this is how it is in the Christian life. I thought it was just about being religious. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai mouvé. Until one day my eyes were open. Et puis m'bay la vie à Jésus-Christ. And I surrendered my life to Christ. Amen. Amen. Mais pour travailler ça continuer fait dans vous-même. But in order for this work of grace to ou besoin de continuer quitter le Saint-Esprit mon Dieu opérer dans vous-même. We need to allow the Holy Spirit to operate. Romains 12 verset 2. And Romans 12 verse 2. Ça la Bible dit nous. Il dit soyez transformés. Says to be transformed par le renouvellement de l'intelligence by the renewing of your mind afin que vous discerniez so that you will be able to discern quelle est la volonté de Dieu what is the will of God ce qui est bon agréable et parfait what is good what is agreeable and what is perfect pour changer penser ou transformer dans penser ou c'est pas un homme qui est capable de faire ça mais c'est cet esprit qui est capable de faire ça. In order for our mind to be renewed, it is not the work of a man, but it is the work of the Holy Spirit. Tout. It says that the Spirit judges même les profondeurs de Dieu. Even to the depth of God. C'est l'Esprit mon Dieu qui rentre dans vous-même, qui a travaillé dans vous-même, qui a fait travail de transformation. It is the Holy Spirit of God that enters us and it does the work of transformation through us. Amen. Amen. Go get travail qu'a fait dans vous-même matin. So there are work of grace that's taking place. Aussi longtemps qu'on quitte cet esprit mon Dieu opérer dans vous-même. And as much as we allow it room to operate. Et quatrième point. And the fourth point. Que agent que mon Dieu a travaillé dans nous-même, non? And the fourth agent that God uses to work c'est à travers l'Église de Jésus-Christ. It is through the Church of Jesus Christ. Pourtant, matin pour moi, un pile monde qui retourne à l'Église. Amen. I'm happy this morning to see so many of you have returned. C'est un bon bagage pour nous capables de rencontrer sous Zoom, non? It's good to be able to have the Zoom platform. C'est un bon bagage pour nous capables de rencontrer sur YouTube, là. It's good to have the YouTube platform. Mais là, encore plus bon, là, nous capables de rencontrer une à Claude pour la gloire de but Dieu. But it's even better when we can come together. Béni soit l'Éternel pour matin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Donc l'Église qu'on rôle, mes chers amis. So the church has a purpose. Jésus-Christ pas quitté l'Église lui, juste pour nous capables de vivre l'Église. Jesus Christ did not just leave the church for us. So that we can just come and go. Mais il voulait que dans l'église li, nous recevoir formation, préparation et transformation que bon Dieu voulait nous recevoir. But what he would rather is that in his church we receive the formation, the transformation and the equipping that we need. Amen. Moi même avec où nous vin l'église pour nous capable vin pi bon pour la gloire de Dieu. So you and I, we come to church not to just be together, but rather to become better image bearers of Christ. 1 Timothée 3, verset 15, dis-nous. 1 Timothée 3, verset 15. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. L'appui et la colonne de la vérité. Amen. In 1 Timothy 3, verse 15, tells us, if I am delayed, we'll know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, pillar, foundation of the truth. Lorsqu'on convertit, mes chers amis,
When you accepted Christ, my friend, l'on accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel ou? When you have accepted Christ as your Lord and Savior, qui était notre thème d'eau, non seulement ou joignez-nous à Jésus-Christ, mais ou aussi joignez l'Église pour la gloire de Dieu. Not only are you now connected to Christ, but you now belong to the Church of Jesus Christ. Ou connaît bien ça, Actes des Apôtres dit. Et le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes dans Actes chapitre 2. You recall what the book of Acts tells us about the day of Pentecost. The church grew to 3,000. Et tout le monde qui était là, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. And all that were there in attendance that day were baptized in the name of the Lord. Ils ont baptisé dans l'église de Jésus-Christ. They were baptized in the church of Jesus Christ. C'est dans l'église de Jésus-Christ que nous retrouvons les croyants, mes chers amis. So that means in the church of Jesus Christ. Que nous retrouvons les croyants. Where we find the believers. Donc, à travers l'église. So through the church. Intention, mon Dieu. God's purpose, c'est pour le capable préparer et préparer moi pour la gloire de son Seigneur. It is for him to equip you and to equip me for the glory of his name. Nous sommes lits pour même dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3 et 4. We read 2 Peter chapter 2. Ouvrez Bible, suivez avec moi pour qu'apprenne ça au bal la caillou. Dans la mesure du possible, viens avant ti canet parce que bagaille me dit ou oublié ou a besoin on l'est. M'appli pour même. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il y aurait les ça. Bon Dieu, mettez à votre disposition à travers son Église des ressources vous-même. In 2 Peter 1, verse 3, we read, divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Ça, c'est ressources que le mettez à la disposition. These are the resources that God has made available for us. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. It says, through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. T'en aimes bien. Deux points combien ou besoin retenir de ça? There are two things I'd like you to take away with you. Au moyen de la connaissance de celui qui celui ça l'a parlé de Jésus. It's through the knowledge of him, and this him is Jesus Christ, qui nous a appelés, who called us pour sa gloire, by his own glory, et par sa vertu, and goodness. Premier bagage où vous devez retenir ça. The first thing you need to take away with you, c'est que l'a parlé de connaître Jésus-Christ. Livre dit premièrement où vous devez connaître Christ. C'est-à-dire où on relation, où on intimité, où on communication avec Jésus-Christ. It's speaking of knowing Christ. This means that you know him, you have an intimacy with him, there is a relationship with him. Personne pas prendre ça dans main. No one can take that relationship away from you. Où gain Christ? You have Christ. Christ dans vous-même. Christ is in you. C'est l'espérance de la gloire. This is the hope of glory. Mais l'elle dit la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. But it says the godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Livre dit tout, tendez bien Kounia. Si première soit fait de connaître Christ ou même. Deuxième, nous sommes en question de connaître concernant Jésus-Christ. If the first one is about knowing Christ for you, ou l'ensemble avec moi, the second ça veut dire où qu'on bibou. This means that you need to know your ou Bible. Où qu'on histoire de Jésus-Christ. You know the story and the life of Jesus. Où qu'on est les évangiles. You know the gospels. Amen. Amen. Les parler de Christ, mais ou pas, mon Jean. So therefore, because of your knowledge, when they speak of Christ, you know about him. It's not unknown to you. You understand.
C'est bon Dieu mette ressources à la disposition, lui mette connaissances lui par vertu et par piété à votre disposition. So God has put his resources available to you so that we may have knowledge of him that who has called us from his glory. Troisième bagaille dans verset, the third thing, c'est que c'est pas ou même qui était tête, tout c'est bon Dieu qui a cherché. It is that you did not call yourself, you were called of God. Il nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. He has called us by his own glory. Et pas moi qui a cherché tête, mais c'est bon Dieu qui a cherché. I didn't go and seek after myself, rather it was God who sought after me. So if I'm here, it is only by his grace. If I am here, it is only because of his grace. Est-ce qu'on l'a avec moi, are you with me this morning? Oui. God has called bon Dieu you. Prélo, oui. God, he continues c'est to bon call Dieu you. Dans même, oui. He continues to work in vous you. You understand? Donc c'est ça nous, les ressources que bon Dieu mettait à votre disposition. This is what we et puis call the resources. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. And through these, he has given us his very great, precious promises. Celle-ci nous assure de la part de Dieu, c'est l'assurance chrétienne, pas vrai? C'est la sécurité du croyant, c'est la fermeté du croyant. Mm-hmm. What we are certain about is the security of the believer, the firmness of the believer, and the eternal promises. Nous chita sous promesse, mon Dieu. We are sitting on the promises of God. Ça, mon Dieu dit à bouche li pour même concernant ou même à ou même la fête. And what God has said with his mouth for you and about you, he will bring it to you. Ça écrit dans Bible là pour même et pour moi même la fête. Whatever he has written in the scriptures for you and for me, he will do it. Amen. Amen. Mon serviteur bon Dieu qui comprend ça très bien en Angleterre. There was a servant of God who truly understood this. Il était gay orphelinat presque partout. He lived in England and he had orphanages. Wow. Et pour serviteur mon Dieu, la vie a pas toujours facile. And for him to care for these orphans, it was not an easy task. Parfois pas même manger pour le bayo. At times, he had very little food to feed them. Mais puisque son homme la foi que le dit, but since he was a man of faith, il cherchait dans la Bible les promesses de Dieu. He began to search scripture to find, to locate the promises of God. Il longeait droit les promesses là. And once he found a promise, he would point to it. Il mettait Timonio au courant. And he would bring this promise, knowledge of the orphans that he served. Les prier ensemble avec eux. And together they would pray. Et puis bon Dieu lui-même y accomplit promesse. And God, through his mercy, would bring that promise to fruition. Un jour, pas quand même pas au manger, il longeait même sous promesse là. There was a day in which he couldn't even feed any one of them, so he just pointed to the promise. Il fait ranger table là. And he asked that they set the table. Il fait au chita. And he had the orphans sit around the table. Il dit bon Dieu merci pour ça, on va le manger. And they gave thanks and to God for what they were about to receive. Et puis une machine pain vient prendre panne tout près pour te offrir là. And it so happened there was a delivery truck that was stalled right around to where the orphanage was located. And because the truck was stalled and it was carrying bread, they needed to get rid of the bread, so they were looking for a place to deliver these bread. And they happened to have delivered them into the orphanage. And then there was another truck that was stalled. This truck was carrying milk. And the same thing that happened. This truck had to find someone to deliver the milk. And it was delivered to the orphanage. And these kids were able to receive
milk and bread to et Dieu till they were pourvoira satisfied. À tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus. God will provide for all of our need according to his name and glory L'église through Christ Jesus. Frères, moi. Puis c'est pour capable permettre que ou même avec moi les nous la gloire de Dieu nous capable transformer à sa gloire et en son image de gloire en gloire. My brothers and sisters, are the purpose it is for you and I when we encounter the glory of God and we allow it to transform us that we become better image bearers for his glory. Est-ce qu'on les remet au Seigneur et qu'il fait travailler ça en nous-mêmes? Do you want to go to God and allow him to do these work of grace in you? M'a demandé pour faire quatre bagages aujourd'hui. I'm asking you to do four things. Réviser la vie de prière. Reassess your prayer life. Et ajuster selon le Seigneur. And adjust it as God intends. Cherchez côté Bible. Find where your Bible is if you haven't seen it in a while. Lili. Read it. Méditez-li. Meditate on it. Tendez-li. Listen to it. Obéis-li. And obey it. M'a demandé pour faire un troisième bagage. I'm asking you for a third thing. Le Saint-Esprit parle avec vous. When the Holy Spirit speaks to you, le bon Dieu prend seul pour venir causer avec vous un à un. When God takes his time to speak to you one on one, pas attrister Saint-Esprit mon Dieu. I ask you not to quench the Holy Spirit. Pas pousser le Saint-Esprit mon Dieu. Do not reject it. Tendez ça le dos. Listen to it. Fais ça le dos là. And do what it asks. Obéis voilà. Obey the voice of the Holy Spirit. Et quatrièmement. And fourth, joigne en l'église. Find a church. Marcher. And walk faithfully. Collaborer. Collaborate. Soumettre. Submit yourself. Surrender. Obéir. Obey. Et quitter bon Dieu servir avec l'église. And allow God to use the church on your behalf. Comme un moyen pour capable changer et transformer. As a mean, as an agent of transformation for your life. Que bon Dieu bénisse vous. May God bless you. Et accorde vous grâce. May he cover you with his Jodhia grace. Jodhia et pour tout temps. Today and forever. La paix, bon Dieu, avec. May the peace of God be with you.